Bonjour tout le monde, bonjour les amis, c'est Mehdi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ben ici, il a fait très chaud et puis après, on a eu de l'orage, donc au niveau des températures, c'est un peu plus supportable. Bon, alors je ne viens pas pour vous parler de la pluie, du beau temps, mais ça fait depuis, depuis hier que je suis tracassée par tous les enlèvements qui se produisent et de plus en plus au niveau des enfants. Alors des enfants, des ados, hein, d'accord? Il y a quelque chose que je ne m'explique pas complètement. Cette recrudescence d'enlèvement. Bon, puis en plus, vous avez entendu, il y a un petit garçon de 2 ans qui a disparu dans le sud de la France, dans les Alpes de Haute-Provence, un enfant de 2 ans. Et il a disparu depuis samedi. Donc, c'est pas bon signe, hein, parce que... avec tous les moyens qui ont été déployés, eh bien, s'il avait eu un accident, s'il était tombé quelque part, eh bien, on l'aurait retrouvé. Donc, moi, ça ne me plaît pas du tout et j'ai des aspects astrologiques qui me posent problème. Donc, on va regarder pour le petit Émile et puis on va voir un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a une recrudescence d'enlèvement. Comment c'est possible? Voilà. Alors, c'est un sujet un peu grave. Généralement, je ne fais pas vraiment les enlèvements d'enfants. J'aime pas. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de le faire, le tirage. Donc bon, bah, écoutez, on va voir. Hein, voilà. Alors, bah, comme d'habitude, on va prendre les jeux de Indigo. Je prends le Dixit parce que c'est vraiment un jeu qui est normalement pour les enfants. Je prends la Triade qui est aussi un bon jeu pour les choses qui sont un peu cachées. Alors, avec tout ça, bah, écoutez, on y va. Bah, on va commencer par la Triade. Alors, parle-nous un petit peu déjà du petit Émile. Je vais peut-être mélanger les jeux d'ailleurs. Alors j'aurais pu prendre le jeu de haut aussi d'ailleurs. Mais bon, il y a des cartes qui sont vraiment dures. Donc, mais ouais, on va pouvoir le prendre aussi. Allez. Bon. Alors, le petit Émile. Est-ce que je pourrais avoir des informations sur ce qui s'est passé? Alors, sachant qu'il était en train de jouer dans le jardin de ses grands-parents, si j'ai bien compris, et qu'il a disparu. Alors déjà, pas pour jeter la pierre, mais enfin, on laisse pas un gamin de 2 ans jouer tout seul dans un jardin. Enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais fait. Hein. Mais bon, ça ne sert à rien de culpabiliser ces braves gens. Hein. Néanmoins, pour les enfants, ça fait depuis longtemps que tout le monde dit qu'il faut faire super, super attention. Alors, le petit Émile, voilà, je sais, ça bouille dans la tête. Petit garçon blond. Ok, alors, qu'est-ce qui est arrivé, mon petit gars? On y va. Ah ben ça commence fort, dites voir. Alors j'ai carrément le sacrifice et l'éternité. Hein. Oh là. Ça commence fort. Ça commence même très fort. Que je vous dis que c'est des aspects astro qui ne me plaisent pas. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Alpha et pardon. Ok. Bon. Je reprends. Mais la coupe n'est pas bonne. Hein. Je n'ai pas besoin de vous la traduire. Hein. D'accord. Alors, on y va. Le petit garçon. Émile. Qu'est-il arrivé à Émile? Et puis, encore une fois, j'irai chercher d'autres cartes. Hein. Émile. Alors, frère. Donc, ça, c'est les amis. Hein. Ah, il y a un homme en face. J'ai un papyrus et j'ai de l'illusion. Bon, alors, l'illusion, c'est une carte qu'on sort quand il y a des choses, par exemple, c'est comme des mirages. Hein. On ne voit pas la réalité. Frère, c'est que je pense que le petit garçon... chercher des petits copains peut-être. Enfin, il me semble avoir lu que il y avait aussi des enfants dans le village. Si ça se trouve, il a voulu s'amuser avec d'autres enfants. Ça pourrait expliquer pourquoi il est sorti du jardin, par exemple. On va remettre une carte dessus. Et vous voyez, j'ai un homme en face. Bon. Alors, le papyrus, c'est... moi, j'avais appris, quand j'avais pris mes cours de triade, il y a très, très longtemps. D'ailleurs, vous voyez l'état de mon jeu, hein, vous voyez. Et encore, là, la carte, elle est bien, mais on voit qu'il est usé. Enfin, bref. J'avais appris que ça pouvait être aussi des conversations. Bon. Mais ça peut être évidemment aussi l'étranger. Alors, qu'est-ce que tu as voulu faire, mon petit bonhomme? Ok. Et on va remettre une carte ici. Alors, le pardon. D'accord. Un accord. Et là, qu'est-ce qu'on a? La famille. Alors, la famille, ça peut être évidemment les grands-parents. Alors, le pardon, normalement, c'est quand on n'a pas envie de se battre.
Quand on abandonne quelque chose. Quand on n'a pas envie de se battre. Alors, attendez. Bon, ça, c'est encore une fois, ça, c'est les grands-parents. On peut aller remettre une carte sur les grands-parents, hein. Bénédiction. OK. Et là. Aïe, 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 aïe. Attendez, je vous redirai après. Oh là là. Excusez-moi, je vous le fais en live, hein, si je puis dire, mais c'est pas bon, hein. Alors là, quand on n'a pas envie de se battre, c'est aussi quand on est hors de combat un petit peu, hein. Mais là, j'ai des questions de surveillance. Vous voyez, un œil qui regarde avec une pyramide et là, la tentation. Eh bien, c'est la carte du désir ou de la SEX. Vous finirez le mot qui se finit en T. Et c'est les aspects astro que j'ai, moi. Bon, alors, on va refaire un jeu, hein. Bon, il n'y avait rien. Alors, les parents bénédiction, je crois que ça veut dire que les parents, les grands, pardon, les grands-parents n'ont rien à voir dans l'histoire. Bon, je verrai ça comme ça, moi. Ça me plaît pas du tout ce que je vous sors. Alors, j'espère me tromper, hein. On est d'accord que ce tirage n'est qu'un tirage, c'est-à-dire un appel à l'intuition en utilisant les cartes comme support, mais que la voyance n'est pas une vérité, d'accord? On va te demander à l'oracle d'Indigo et on va prendre le jeu de haut que vous aimez bien, qui fonctionne bien aussi pour les histoires de disparition. Enfin, moi, les disparitions, les rares disparitions que j'avais faites, hein, bah, c'était bien sorti, hein. Enfin bon. Ok, alors on y va. Émile. Mais vous voyez que j'ai quand même une première hypothèse qui est sortie tout de suite. Hein. C'est qu'il y a une surveillance. Il y a une surveillance. Et puis, il y a la carte de la tentation. Bon. Donc, je n'ai pas besoin d'expliquer, vous avez compris. Hein. Et en face, il y avait un homme. Alors. Petit Émile. Où es-tu, petit garçon? Alors là, il y a des histoires de direction et de menaces. D'accord? On a peur. Ah, là, vous avez ici, vous voyez, quelqu'un de très grand qui fait peur à quelqu'un de petit. Bon, la coupe n'est pas bonne non plus, hein. Alors la boussole, attendez, je regarde encore, ouais, je sais bien. c'est changement. Bon, changement, orientation. On peut. Ah, moi, c'est mes cartes. Alors, je me les attribue, n'est-ce pas? Je me les attribue. La boussole, pour moi, c'est éventuellement aussi hein, quand on s'oriente, donc quand on prend une direction, donc quand on. Éventuellement, quand on voyage ou quand on cherche à aller quelque part. Hein, d'accord? Bon. Alors, petit gars, petit bonhomme, qu'est-ce qui t'est arrivé? Petit Émile. Oh, j'espère vraiment que je me trompe. On va regarder. Alors là, il y a l'infini ou un masque. Hein, je dis, moi, je. C'est marrant parce qu'on avait l'éternité qui était sortie tout à l'heure. Hein. Alors, l'infini, comment la comprendre? Ben, l'infini, c'est l'éternité. Ben voilà, c'est comme le jeu tout à l'heure. Ici, j'ai un éclair de foudre. Je me rappelle, c'était celle qui était tombée sur Caligula. Donc ça, c'est un accident. Si je me souviens bien. Ouais, arrêt brutal. Je vous dis, c'est pas bon. Hein. Là, j'ai. Alors pour moi, je considérais que c'était un ennemi. La carte, normalement, veut dire séduction. Mais bon, c'est un serpent. Donc, on sait que le serpent n'est pas très bon. Oh non, mais c'est pas possible. C'est pas possible ce que je vous sors. Le diable. Bah écoutez, je suis désolée, mais moi, j'ai pas un bon feeling pour les petits gars. Hein. Non. Ouais, c'est ce que. Et vous savez que je regarde beaucoup les. Enfin, vous savez pas, mais je vous le dis. Je regarde beaucoup les aspects de disparition au niveau des enfants ou ados. Et j'ai toujours les mêmes aspects astrologiques. Et donc, ça veut dire que je sais. En fait, je sais exactement quelles sont les périodes où il peut y avoir des disparitions d'enfants pour des raisons comme ça. Je sais pas quoi faire de cette information. Est-ce qu'il faut que je la donne? Est-ce qu'il faut pas que je la donne? Ce sont des aspects qui sont récurrents, malheureusement. Et qui se réactualise très vite. Mais je les connais, les aspects, vraiment, vraiment. Et là, ces aspects sont présents. Enfin, en tout cas, ils étaient présents samedi. Comme ce sont des aspects qui sont rapides, encore une fois, ils se réactualisent très vite. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? Est-ce qu'il faut que je donne l'info? À qui? Comment? Je ne sais pas. Mais franchement, c'est dommage que les gens ne s'intéressent pas à l'astrologie, quoi. Parce que
Je pourrais leur dire, ben, ce jour-là, faites particulièrement attention aux enfants, vous voyez, par exemple. Bon, bref, donc c'est mal parti, parce que j'ai que des mauvaises cartes. Hein. Là, ça me parle d'éternité, donc c'est passage dans l'au-delà, l'éternité, hein, soyons clairs. Hein. Accident, arrêt brutal, passage à l'éternité, tentation et le diable, on n'a pas besoin de l'expliquer. Hein. C'est le mal. Et on retrouve, vous voyez, le diable de tout à l'heure avec la carte de la triade. Vous aviez la carte de la tentation. Donc, à mon avis, il y a eu un enlèvement. Moi, je ne crois pas à l'accident. Je n'ai pas d'aspect d'accident en astro. Par contre, j'ai des aspects de prédateur. Voilà. Bon, alors, on va demander au jeu de haut. Hein, on va faire, comme je vous ai dit, prendre plusieurs jeux. Oh là là! Comme dit Wendy, je ne sais pas si je vais continuer à tirer les cartes, parce que là, alors ça peut vouloir dire que de toute façon, il est trop tard. Ou alors, ça peut vouloir dire que le temps lui est compté, mais j'avais quand même le passage ici à l'éternité. Hein. Donc, j'ai envie de dire que le temps lui est compté. Regardez ce que j'ai en dessous. Qu'est-ce qu'on a en dessous, là? Ah ouais, bah écoutez, le petit gars, il a été enlevé. Hein. Ouais, je suis désolée. Hein. Avec des cartes comme ça... Vous voyez, en plus, si on continue ensuite, voilà, il est parti. Et ensuite, en dessous, le passage à l'arc-en-ciel, un pont qui a été... Ça se trouve, il est même parti à l'étranger. Bah oui, c'est le sud de la France. Bah, ça se trouve, il a franchi la frontière. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Bon, c'est pas bon, hein. Non. Je vous dis, j'aime pas faire les histoires de disparition parce que, je sais pas, c'est peut-être ma sensibilité particulière, mais je tombe toujours sur des trucs pas possibles, quoi. Alors, après, on fera la seconde partie du tirage. Oh là là. Maddy, mais qu'est-ce que tu sors comme carte aujourd'hui? Ouais, oh là 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 là. Ça continue. Aïe, 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 aïe. Je suis désolée, hein. Je vous sors des trucs. Bon, je me calme. Mais c'est dur de sortir des cartes comme ça. Hein. Voilà, vous avez ici la carte de la proste qui fait tuer. Hein, sans mauvais jeu de mots. Vous avez ici de l'argent. De l'argent. Vous avez ici des gens. Alors, un tribunal. Ou des gens, en tout cas, qui ont une certaine autorité. On va dire ça comme ça. Et là, on fait rentrer les moutons dans l'enclos. Ça sent le R... pardon, ça sent le T-R-A-F-F-I-C. Je suis désolée. Ça sent ce genre de choses. On va remettre encore une carte. C'est terrible, hein. Là, il y a une porte qui s'ouvre. Et voilà. Je suis désolée. Moi, le petit, il a été enlevé. Hein. Il a été mis ailleurs. Vous voyez, une porte qui s'ouvre, un escalier. Et il a été mis dans un endroit. Je suis vraiment désolée de vous sortir des choses comme ça. Mais moi, j'ai pas un bon feeling. Bon, de toute façon, un enfant qui n'est pas retrouvé dans les deux jours, généralement, on sait qu'il y a peu de chance. Ouais. Bon. Donc, pour moi, le petit, il est tombé sur un prédateur. Un réseau, je pense qu'on peut dire le mot. Hein. Avec des cartes comme ça, qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, j'ai pas de carte d'accident où il est coincé quelque part, vous voyez. Il est caché parce que c'est un endroit qui est très escarpé. J'ai regardé un peu avec Google Satellite pour avoir une petite idée de la région. Il y a beaucoup d'arbres, il y a des forêts, il y a tout ça. Mais j'ai pas l'impression. Regardez les cartes que je sors. Donc moi, j'ai pas un bon feeling. Si je me plante, je viens de refaire mon mea culpa, je vous assure. Mais j'ai pas un bon feeling. On va essayer d'avoir d'autres informations sur les gens qui peuvent être impliqués dans cette histoire. Est-ce que ce sont des gens de passage? Est-ce que ce sont des gens connus éventuellement du village? On va voir ce qui sort par rapport aux gens impliqués. Ouais, bon, ok. Ben voilà. Que je voulais que je vous dise, vous avez des petits-enfants qui sont enfermés là. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est bien des histoires de trafic, hein. Alors, cette carte-là, il y a quelque chose qui est cassé. Ouais, donc ça veut dire que c'est éventuellement des R-E-S-E-A-U-X qui peuvent avoir été en partie détruits, mais vous voyez qu'ils recommencent toujours. Hein. Ouais. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils sont... Bah, voilà, ils repartent. On peut les attraper d'un côté, mais finalement, eh bien, ils ressurgissent d'un autre côté, quoi. Donc ils sont toujours là. Bon. Et je vous dis, hein, mais il y a des histoires de repérage et de surveillance, là. Oui.
Mais en tout cas, voilà. Vous avez ici un ogre avec des petits enfants enfermés. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je me répète, je sais. Bon. Donc, c'est bien des gens qui, voilà, qui attendent qu'un gosse soit tout seul, perdu, isolé. Hein. Ouais, je suis désolée. Hein. Ouais. Donc là, c'est pareil. Hein. C'est la souffrance, on pleure. Et là, ben, on ne trouve pas. On ne trouve pas ce qui est sous le nez. Donc, le destin de ce petit garçon est bien sombre. Bien, bien sombre. Ouais. Il y a le danger qui est là. Ça veut dire que, bon, ben, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. Pas grand-chose qui va se passer. On va garder quand même. La menthe religieuse. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, je vais arrêter là. Ça ne sert à rien. Pour moi, c'est mal parti. C'est très mal parti. D'après ce que je vois, il y a eu des prédateurs qui sont intervenus. Voilà. Il y a des relations avec l'étranger aussi, les relations avec les voyages, des relations avec les RESAUX. Il y a une surveillance qui a été faite. Alors, je sais pas, moi, ça fait quand même plusieurs fois que ça sort, c'est l'histoire de drones, là. Des surveillances, il y a des messages qui ont été échangés rapidement. C'est des gens qui sont très réactifs hein, et qui attendent une occasion. Donc, ils sont là, qui surveillent. Et voyez, voilà, on met les petits-enfants comme ça, on les enferme et on attend pour, bah, pour leur régler leur sort. Hein, je dis. C'est un ogre, on sait ce que font les ogres. Hein. Et il y a les histoires de destruction ici, la menthe religieuse. Hein. Ouais. Et pour moi, ben, on ne trouvera pas parce que ça va s'enliser, cette histoire. Hein. C'est bizarre, cette carte-là. Personne âgée. C'est un peu compliqué. Par contre, celle-ci est plus parlante. Hein. On va au-delà d'un danger avec les yeux rouges. Bon. Donc, il y a des gens qui sont là, qui attendent. Voilà. Donc voilà, ce sera la fin de cette vidéo, je suis désolée. Donc moi, les aspects astrologiques vont effectivement dans le sens d'une agression, voilà. Et je ne saurais que recommander de faire attention aux enfants. Je vais crier sur les gens, mais on ne laisse pas un enfant hors de vue. Même s'il joue dans le jardin, même si le jardin est fermé, ça n'a aucune importance. On connaît des histoires d'enfants qui ont été enlevés, qui ont disparu. Alors qu'ils étaient là, deux pas dans un jardin, devant la maison ou encore ailleurs, ça va très vite. Ça va très très vite parce que on a des gens qui sont là, qui attendent. On l'a vu tout à l'heure. Il y a des gens qui n'ont rien d'autre à faire, qui attendent et qui surveillent. Je suis désolée. On verra si j'ai raison ou pas. J'espère vraiment vraiment que je vais me tromper. Mais pour moi, les cartes sont parlantes. Voilà, bah écoutez, courage à tous et à toutes. Hein. Et puis à bientôt. Au revoir.